Bonjour, Eric Gibaud, ericgibo.com et aujourd'hui je vais parler de ce flash, le Jimbay HD1 et le déclencheur, le TRQ6 Mark II. Alors, petite parenthèse, quand j'ai présenté les flashs de Westcott, le FJ80, FJ200, FJ400, beaucoup de gens m'ont dit c'est exactement la même chose que Jimbay. Alors, je ne vais pas faire cette vidéo pour faire des recherches, une enquête et tout ça, à savoir si c'est pareil ou pas. Mais de toute façon, je te raconterai s'ils si sont compatibles ou pas et je te ferai une démonstration. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor, ArviaEcoleDePhotographie.com de Photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Cependant, trois points si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier, si tu t'inscris à une formation de ma part... Tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu voulais te financer par le CPF compte personnel de formation, n'oublie pas que si tu veux te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir puisque une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est toujours pas appliquée. Cependant, apparemment, selon euh, le ministre Bruno Le Maire, ça sera appliqué le 1er mai et à partir 2024, je ne sais pas quand tu verras la vidéo, et à partir de cette date, les élèves devront payer une partie de leur poche. Alors c'est une très bonne nouvelle, puisque bah, payer c'est jamais une bonne nouvelle, mais les rumeurs c'était jusqu'à 30%. Et apparemment, ça va être 100 euros, que ce soit de la photographie, que ce soit n'importe quelle formation. Mais c'est à confirmer. Cependant, si tu t'inscris avant que la loi soit appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Je te laisse le téléphone d'Arvia, qui est complètement gratuit, le e-mail, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo, qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, je l'ouvre. Dans la boîte, premièrement, un petit manuel d'instruction qui est en anglais et en chinois. Je ne parle ni l'un ni l'autre. Alors, attention, j'ai acheté euh, ce flash à Jimbay Allemagne, l'importateur en Allemagne. Okay euh, donc, euh, ils n'ont pas d'obligation de mettre dans les mêmes obligations que si c'était un, un vendeur en France qui lui serait obligé d'avoir des, des modes d'emploi en français. Okay tu reçois un petit pied de flash que tu peux mettre un pied dessus. Tu, peux reço tu reçois aussi le chargeur et le câble. Alors, le câble, il sert à deux choses. Il sert à charger euh, la batterie, mais aussi, il, il sert aussi à euh, actualiser le firmware du flash. Et aussi, enfin, ben, évidemment, le flash lui-même, qui vient dans sa petite housse. Le, voilà le flash. Après, on va le voir en détail. Et ici, il y a une petite pochette derrière où tu pourras glisser le pied du flash. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est que tu reçois côté flash. Côté trigger... Euh, le déclencheur, bah pareil, un petit manuel euh, en deux langues que pas forcément tout le monde parle. Et tu Reçois ça alors, ils ont plusieurs modèles de déclencheurs. Ils en ont un qui est comme celui de Westcott. Alors, je dis d'aspect, puisque je vais pas rentrer, euh, j'expliquerai plus tard. Mais euh, ils ont aussi celui-ci que Westcott n'a pas. Par exemple, c'est le style euh, comme certains que j'ai de Godox, le X2T par exemple, ou XT2, je comment il s'appelle, qui lui a une griffe de flash dessus. Donc, j'ai pris celui-là pour voir bah, qu'ils sont un peu différents de l'autre. On va voir si ça marche ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est ce que tu reçois dans les boîtes. Alors, regardons l'aspect physique du flash. Alors, ça, c'est le modèle HD1, mais il existe un modèle HD2 Max qui est comme le Westcott FJ80, comme d'aspect, je le répète. Et celui-là, ben, si on regarde chez Westcott, ça serait le FJ80 SE. D'accord Donc, euh, je, comme je n'ai pas le HD2, ben, j'utilise celui-là pour te montrer un petit peu la différence entre les deux. Le premier truc que tu vas remarquer, c'est que l'écran est plus petit et là, il s'allume avec un bouton, un interrupteur normal. Si on regarde sur ce modèle euh, plus grand, l'écran est complètement euh, tactile et plus grand. Il faut que j'appuie pour le démarrer. Et toutes les commandes se font de manière tactile. Alors, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. C'est sûr ça, ça a l'air beaucoup plus moderne. Mais je pense que euh, l'option tactile, euh, l'option d'allumer comme ça rapidement... C'est beaucoup plus pratique à mon avis, c'est plus rapide. Mais comme de toute façon moi j'utilise systématiquement mes flashs hors d'appareil photo et je les gère par la télécommande, moi ça me change pas grand chose. Voilà. Alors si on regarde les autres aspects, là évidemment ben là euh, j'ai plusieurs boutons pour gérer le flash, d'accord. Là j'ai pas de bouton, j'ai un écran. La batterie euh, sur ce modèle ben, il est devant, ok. Et là sur ce modèle il est euh, J'appuie sur le bouton là et la batterie sort ici. Voilà, Hop. Alors, il faut appuyer avec du caractère. Voilà, et la batterie est là. Donc, autre chose, alors ça, ça c'est la, la différence, je dirais, euh, principale, si tu veux, euh, qui est la plus évidente c'est bah, les écrans et les boutons. Ça, c'est clair. Autre chose qui est différente, comme tu peux voir, aussi bien sur celui-ci que sur le euh, Westcott FJ80SE. La lampe de modelage, si tu veux l'allumer, elle est euh, ici, elle est devant, si tu veux, voilà, je, je vais l'allumer, voilà, ok, ouais, elle s'allume. Alors, euh, c'est bien qu'il y ait une lampe de modelage, mais si j'ai le flash comme ça, c'est pas dans le même axe. Donc, une lampe de modelage, ça sert à quoi ben, Ça sert à voir un petit peu ce qu'on fait, voir l'orientation de la lumière, ça peut aussi aider à l'autofocus, mais euh, c'est idéal que ça soit dans l'axe. Par contre sur le modèle HD2 Max et le modèle FJ 80, eh bien elle est euh, à l'intérieur, donc c'est toujours dans l'axe de la lumière. Voilà, donc ça c'est un petit peu euh, les deux différences jusque-là. Et maintenant je vais parler des caractéristiques et de certains trucs qui sont assez importants sur ce flash qui peuvent intéresser énormément de monde, surtout euh, avec quel appareil ça marche. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'allais acheter du matos chez Digit Photo, que ce soit photo, vidéo, accessoires, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque Code Créateur. Si tu marques Gibo, eh bien, ça me file vraiment un coup de main et je t'en remercie. Si jamais tu as un code promo, je les partage souvent sur mes réseaux sociaux. Il y a une case à côté qui dit Code promo et c'est complètement compatible. Donc, merci beaucoup. Continuons. Alors, beaucoup doivent se demander, mais pourquoi acheter ça et non pas un, Do un Godox V1 Alors... Euh, mis à part les caractéristiques techniques, euh, caractéristiques techniques, euh, puissance, euh, que la marque te plaise, ça, bah, peu importe. Il y a un truc qui est clair. Si tu veux utiliser un Godox sur ton, ton appareil photo, eh bien, si tu achètes une version pour euh, Canon, eh bien, quand tu veux utiliser sur un Nikon, eh bien, euh, en mode manuel ça marche, mais le reste ça ne marche plus. Tandis que là, tu vas choisir dans le menu la marque de ton appareil photo. Euh, ça supporte Canon, Canon RT, c'est le système pour les, les Canon R, euh, système RF, ok, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus, Sony, alors Sony, font un adaptateur de, de pied de flash, ok, mais sinon, euh, tu n'as pas de problème, ça veut dire que si toi, tu as plusieurs appareils de différentes marques, tu n'as aucun problème, euh, si tu, euh, un jour, tu changes d'appareil photo, eh bien, ça marchera aussi, tu changeras la marque. Alors, il y en a qui vont dire ah, « mais il n'y a pas un seul Oui, mais un seul a le système de Nikon, donc tu actives Nikon et c'est bon, voilà, il n'y a pas de problème, ok Donc, ça, c'est un gros, gros, gros avantage. Alors, par exemple, tu pourrais dire « Ouais, mais quand je suis sur Godox, peu importe, puisque quand je suis euh, le flash hors appareil photo, eh bien, je, je dirige avec mon euh, déclencheur et je n'ai pas le problème, simplement, j'ai un déclencheur par marque d'appareil. » Eh bien le déclencheur est aussi multimarque donc tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs déclencheurs en fonction des marques, Alors, imagine moi quand je fais une formation je ne sais pas euh, quelle marque d'appareil photo va avoir l'élève, ben, j'ai cette tranquillité donc aussi bien Westcott que Rollet fabrique aussi les, les, mêmes, euh, a aussi les mêmes flashs et euh, Jimbay Eh bien ça va me permettre d'être euh, prêt pour n'importe quelle marque d'appareil photo et je crois que ça c'est un atout qui, est, euh, qui a énormément de poids surtout si tu ne travailles pas qu'en mode manuel si tu veux du euh, TTL ou tu veux de la haute synchronisation, ben là ah oui, euh, c'est indispensable que ce soit compatible avec la marque de ton appareil. Et là, c'est le cas. Alors, comme son frère euh, HD 2 Max ou son cousin FJ80 que j'avais présenté, il a 80 watts. Alors, parenthèse, parce que beaucoup de gens font cette erreur. Ils pensent que deux flashs de 80 watts vont émettre la même quantité de lumière. Quand on parle des flashs, quand on parle des, wa des watts, en fait, on parle, ou des joules, hein, ce serait plus correct de dire des joules, euh, on est en train de parler euh, watts secondes, en fait, des joules on parle euh, de la puissance, euh, entre guillemets, du moteur, si tu veux. La quantité de lumière qui sort peut être différente d'un flash à l'autre, sur des marques différentes ou des modèles différents, en fonction du euh, comment est construit l'intérieur, s'il y a des, 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 un recouvrement plus ou moins ré, réfléchissant, ou choses comme ça. Donc, ce qui compte, c'est la quantité de lumière qui sort. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre guide, NG60, dans ce cas-là, un nombre guide de 60, euh, Attention, tout le monde ne mesure pas le nombre de guide de la même manière. Donc, moi, je n'ai pas refait de mesure parce que euh, j'ai fait les tests en comparant avec celui-là, c'était similaire et tout. Pour te dire, ce flash envoie la quantité de lumière à pleine puissance similaire à n'importe quel autre flash de haut de gamme, que ce soit les Godox V1, que ce soit les euh, Pro euh, le celui qui a cette forme aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, le A1, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, voilà, c'est équivalent. Voilà. Donc, tu pas de problème pour une utilisation sur appareil photo ou hors appareil photo, mais dans un softbox par exemple, voilà. Tu peux régler sur 9 stops euh, la lumière, alors là, euh, j'ai le mode où j'ai des numéros euh, 4.2, ceci, cela, mais tu peux aussi le mettre en mode de fraction, par exemple, pleine puissance, demi-puissance, un quart, un demi, tout ça, voilà, ok alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les boutons parce que ça n'aurait pas de sens. Si tu l'achetais, bah, tu regardes le mode d'emploi. Hein. Puis en plus, euh, tu peux regarder euh, les fonctions du Westcott euh, FJ80 que j'avais essayé, euh, j'utilise d'ailleurs. C'est les mêmes, sauf que là, c'est des boutons, mais les termes, c'est les mêmes et tout ça. Donc, euh, t'inquiète pas, c'est assez simple à utiliser. Voilà. Mais euh, euh, les, les sensations sont faciles, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce flash travaille en mode manuel, en mode... TTL, alors c'est pour ça c'est important d'indiquer la marque de ton appareil photo pour que le TTL marche. En mode euh, freeze, c'est-à-dire que ça congèle. Euh, pour congeler l'action, c'est un temps d'éclair plus court pour congeler l'action. Après, tu as le mode haute synchronisation. Alors moi, je pas du tout le mode haute synchronisation. Pas sur ce flash, mais sur aucun flash. Euh, les fabricants oublient de raconter plusieurs choses. La première, c'est que quand tu te mets en mode haute synchronisation, euh, tu perds énormément de puissance. Deuxièmement, euh, ça tue les condensateurs. Donc, ton flash, il vivra moins longtemps. C'est pour ça que moi, je préfère toujours couper la lumière ambiante avec un filtre ND sur l'objectif et mettre la pleine puissance sur le flash. Voilà, c'est une question de euh, goût que j'ai. Voilà. Après, euh, ça peut synchroniser sur le premier ou le deuxième rideau. Donc, euh, bah, ça, c'est. Euh important pour beaucoup de gens, c'est que ça va changer l'aspect d'un éclairage sur un objet ou une situation en mouvement, un sujet en mouvement. Si on regarde le flash, on peut le tourner 360 degrés. Alors, faut pas tourner complètement, mais on fait, voilà, on revient à 360 degrés, pas de problème. Et l'inclinaison 90 degrés, voilà. Ok, voilà. Donc si tu veux faire le faire rebondir en arrière, par exemple, sur le côté, il bah, n'y a aucun problème. La batterie. La batterie fait 2500 milliampères. Alors ça ne veut rien dire. Ce qui t'intéresse, c'est de le nombre de flashs que tu peux faire. Alors, le nombre d'éclairs. Ben, tu peux faire 500 éclairs à pleine puissance. Alors, 500 éclairs, c'est un paquet quand même. Normalement, c'est très rare, sauf si on est en plein soleil, quelque chose comme ça. On travaille rarement à pleine puissance. On est souvent euh, demi, un quart ou un huitième, même voire moins. Donc, il euh, n'y bah, euh, a pas de problème. Moi, avec le FJ80, euh, je fais une séance complète de photos sans aucun problème. Alors, la lumière, euh, la lumière de modelage que j'ai allumée, il y a trois niveaux. Voilà. Alors, en automatique. Donc il va être adapté à la puissance du, du flash, ou un, deux, trois niveaux ou l'éteindre. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout bête. Après ce que tu as entendu là, quand je l'ai allumé, c'est un zoom. Parce qu'en fait, la tête se déplace à l'intérieur pour changer la largeur du faisceau de lumière. Alors, euh, si je touche le zoom, euh, j'ai plusieurs options. Depuis 24, tu vas l'écouter là, tu sens que la tête tu vas entendre que la tête se bouge. Voilà, c'est la tête qui se déplace. Ça va depuis 24 mm jusqu'à 200 mm. À 200 mm, ben, le faisceau est pas large du tout. Il y a 24, il est complètement large. Ou en automatique, si ton appareil euh, photo le permet, il va gérer automatiquement. Il va voir quelle est la focale de ton objectif et il va mettre la bonne focale sur le zoom. Alors ça sert à quoi ben, imagine que je suis au 24 mm et j'ai le zoom sur 50. Le zoom du flash, hein, pas de l'appareil, eh bien évidemment, ça va éclairer qu'une partie de la photo. Donc, il faut que je sois au moins à la même largeur que l'angle de vue de ton objectif. Ok, ça c'est important. Euh, si tu mets le flash dans une softbox, bah c'est pareil, il faut que tu mettes un, une, une largeur de faisceau suffisante pour remplir la softbox parce que sinon ça perd. Softbox, boîte à lumière ou de modeler, mettre ça comme tu veux, puisque bah ça va être indispensable de remplir pour éclairer correctement. Si on regarde, euh, alors j'ai oublié de dire la lampe, euh, la lampe de modelage, elle fait 3 watts et la température de couleur, je ne l'ai pas. Mais normalement, c'est assez chaud. Hein. Ça a Pas l'air trop chaud là, soit dans les 4000 Kelvin, un truc comme ça, je pense, mais ça, ça à l'œil hein, euh, ne m'en tient pas rigueur. De toute façon, c'est juste indicatif. Alors, ce flash, il y a plusieurs manières de le faire marcher. On peut le faire marcher comme euh, master, c'est à dire que non seulement il va avoir sa propre lumière, mais il peut aussi diriger d'autres flashs. Donc, il peut avoir six groupes. Donc, je peux organiser mes flashs qui seront dans chaque groupe. Euh, Dirigé à la même puissance, j'ai 31 canaux de fréquence pour qu'il y ait des canaux libres pour qu'on ne se dérange pas avec une autre personne. Et donc là, je suis en master. Et pour que tu vois ce qui va se passer, là, j'ai allumé le Westcott. Là, il est en master. Je clique. Et comme tu vois, les deux ont marché. Ça donne une petite indication sur la compatibilité des flashs déjà. Alors. Euh, quand il est en master, évidemment, tu vas mettre le flash sur ton appareil photo et non seulement tu vas avoir la propre lumière que tu peux éteindre d'ailleurs aussi, et surtout il va diriger les autres. Sinon, tu as l'option de le mettre en mode esclave il y a deux possibilités. En esclave par un ou parce qu'il y a un autre flash qui le dirige de la même manière celui-là on peut le mettre en master aussi hein. et ou il est dirigé par une télécommande. Si dirigé par une télécommande, et eh bien euh, là, ben, simplement, là je vais passer en mode télécommande. Voilà, ok, je vais le mettre là, je vais l'allumer celui-là. Alors le bouton ici, hein, voilà, tu vois, il a marché. Okay. Donc ben, le, le, le flash est à démarrer par la télécommande. Autre option, c'est l'esclave optique, c'est-à-dire qu'il détecte qu'il y a un autre flash qui a sauté et qui a marché. Et donc il va, il va, il détecte et il saute en même temps. Voilà. Alors important, je vais répondre à une question, une parenthèse que tous les gens me font à chaque fois que je présente un flash. Est-ce que je peux utiliser mon euh, déclencheur Godox là-dessus ou mon Yongnuo là-dessus La réponse est simple et rapide. Non, les flashs et les déclencheurs ne sont pas compatibles entre marques, sauf quand, ben, évidemment, je crois que c'est clair. Ça sort tout au moins de la même usine. Voilà. Mais sinon, non, un Godox ne va pas faire marcher un Yong un Yonghua ne va pas faire marcher un Godox, ni un Westcott, ni rien. Non, chaque marque a ses systèmes. Alors là, l'exception, ça va être aussi quand tu es en mode Canon RT. Voilà, parce que celui-là, il accepte le Canon RT. Donc, si tu as un déclencheur Canon R, il ben, n'y a pas de problème, ça marchera. Mais c'est un petit peu l'exception. Et autre chose, c'est si tu n'as pas, pas des euh, flashs de la même marque, tu en as un qui est mis comme master et les autres le déclenchent de manière optique, en esclave optique. Voilà. Alors la tête est magnétique. Là, comme tu peux voir, je peux mettre des gels, des gélatines, sans problème. Alors ça, c'est des gélatines Westcott qui sont complètement euh, compatibles puisque c'est exactement en fait les mêmes têtes. Hein. Voilà, ok. Euh, si euh, je veux euh, euh, avec des portes, trucs comme ça, voilà. Donc ça, c'est très bien que ça soit magnétique parce que je trouve que euh, c'est très rapide à empiler des, euh, euh, par exemple, une, une grille. Euh, un gris comme ça pour orienter la lumière ou une gélatine, un truc comme ça, donc ça c'est vraiment super donc aussi bien Jimbeck ou Westcott en ont, je ne sais pas s'ils ex... sont exactement pareils, hein, je ne sais pas parce que j'ai que ce Westcott, mais enfin je vois qu'ils sont complètement compatibles ici euh, voilà le déclencheur qui ressemble à un Godox euh, XT2 donc là tu as les différents groupes, tu as ces euh, groupes après tu as une molette qui va te permettre de changer la puissance et tout ça euh, c'est pas mal. Alors le petit reproche, c'est que le bouton de test euh, n'est pas terrible. Euh, il y a quelques fois il a un peu de mal. mais au début je croyais qu'il marchait pas en fait, c'est le bouton de test à mon avis le bouton j'appuie pas bien parce que c'est un bouton assez large mais peut-être que le truc est juste au centre. Mais le test qui nous intéresse c'est aussi celui-ci: Est-ce que mon déclencheur euh, Jim Bay va faire fonctionner le Westcott? Ça, c'est une très bonne question que tu vas savoir dans quelques secondes. Voilà, j'y vais. Alors, pareil, tu vois, tu vois, ça marche. Tu vois, ça marche. Voilà. Donc, on va faire le match euh, contraire, le match retour. Est-ce que le euh, déclencheur de Westcott va faire marcher mon flash Jinbe Donc, on va l'allumer et on y va. Ben, je crois que tu as la réponse au niveau la compatibilité. Conclusion. Alors, d'abord, on voit que à la date d'aujourd'hui, la compatibilité entre les deux systèmes est complète. Alors c'est vrai que là j'ai l'équivalent d'un FJ, euh, là c'est d'un FJ 80 SE et ça, ça serait plutôt la vie 80 euh, normal, OK. Mais j'ai aussi acheté le Jinbei HD 400 Pro, qui est l'équivalent du FJ 400 et ça je rentrerai plus en détail. Qu'on puisse faire des comparaisons euh, techniques plus avancées, parce que là ça serait pas juste de comparer les deux. Voilà, mais euh, si on parle euh, de ce flash en soi, qu'est-ce qui est le plus intéressant Ce modèle qui chez Westcott s'appelle euh, FJ80 SE ou ce modèle qui est un FJ80, il existe le marque 2 aussi, hein, euh, qui euh, chez euh, Jimbay s'appelle le HD Mark, euh, HD2 Max. Eh bien sincèrement, moi j'aime bien que euh, le démarrage soit plus rapide, donc euh, à ce niveau-là, c'est mieux. Mais c'est vrai que l'écran, c'est vraiment cool parce que tu vois vraiment ce que tu es en train de faire. Voilà, donc euh, voilà. Mais attention, il y a 100 euros de différence entre un Jean HD 1 et un Jinbei HD 2 max. Est-ce que ça vaut le coup de payer 100 euros de plus juste pour un écran euh, ben, Ce n'est pas que l'écran, aussi le fait que ça démarre plus rapidement, mais l'écran c'est plus facile à voir, c'est vrai. Euh, je pense qu'il y a des petites différences techniques quand même parce que je trouve que le fût est un petit peu plus, plus long peut-être sur l'un que sur l'autre, mais ça a l'air vraiment similaire. La tête est peut-être un petit peu différente. Je ne sais pas. Euh, sincèrement, si tu n'abuses pas de flash, tu n'es pas tout le temps avec du flash, tout ça, moi je pense que celui-là est complètement recommandable, que ce soit le HD2, euh, HD1, ou que ce soit son frère chez, chez Westcott. Voilà. Mais on a vu que la compatibilité est complète de toute façon. Alors par contre la question de beaucoup vont dire mais pourquoi prendre jinbei ou pourquoi prendre Westcott Alors ce modèle chez jinbei Allemagne coûte 149 euros. Alors attention, ils ont toujours des offres, ça descend, ça monte, ça descend. Moi j'ai eu à 149 euros, c'est le prix actuel à date d'aujourd'hui. Son frère chez Westcott coûte 186 euros. Là-dessus, il faut que tu rajoutes les frais de port, les taxes. Ça va te revenir à environ 100 euros de plus que celui de Jinbei. Il y en a beaucoup qui vont dire ⁇ Ah oh ouais, mais 100 euros de plus ?⁇ Bah ouais, il faut prendre du Jinbei. » Attention, c'est pas si simple que ça. Pourquoi Parce que Westcott a des services euh, en plus au niveau du service client qui sont vraiment intéressants. Parce que si tu as un problème avec du Jinbei, il bah, faut te débrouiller, renvoyer en Allemagne dans le meilleur des cas, ou en Chine, ou, ou chez Amazon, dépend où tu l'as acheté. Donc, ça peut être plus compliqué. Par contre, Westcott, moi, je les ai appelés au téléphone et c'est une personne qui répond, ce n'est pas une machine. Donc, il y a un vrai service client. Et après, ils se débrouillent, peu importe où ils les ont fait fabriquer ou qui leur a fabriqué, mais en tout cas, eux, ils répondent. Donc, ça, c'est déjà un très gros point. Deuxièmement, si toi, tu es euh, outre, du côté Atlantique, côté Ouest, c'est-à-dire côté euh, Amérique, hein, les Amériques, eh bien, il y a plus de sens, chance, euh, plus de sens pardon, à acheter du Westcott puisque bah, tu n'auras pas forcément les frais de transport. Si tu es au Canada, un truc comme ça, bah, tu seras à côté. Donc, euh, euh, ouais, autant acheter du Westcott parce que sinon, tu seras dans le même cas que moi qui doit recevoir des frais de port élevés et des taxes d'importation et tout ça. Donc, probablement, ça dépend de quel côté tu trouves de l'Atlantique. Mais si on parle du produit en soi... Est-ce que c'est recommandable eh ben Moi, je trouve que pour ce tarif-là, c'est un flash qui est complètement recommandable. Euh, parce que, euh, euh, après, ça dépend de l'intensité d'utilisation que tu en fais tout ça. Mais ça, c'est complètement digne que de, de, des meilleurs flashs qu'il y a. Alors, évidemment, si tu regardes un Canon 600, je ne sais pas combien, qui coûte 4-3 fois plus, il bah, y a sûrement des trucs peut-être mieux et qui durera, durera peut-être plus longtemps, je ne sais pas. De même manière, beaucoup de gens vont se demander, mais quelle est alors la vraie différence entre Westcott et Jim Bay je peux pas te dire, parce que moi j'ai parlé avec les deux marques. Les deux m'ont dit la même chose. Non, c'est pas pareil. Alors non, c'est pas pareil, ça veut quoi dire Que le logo est pas le même Je sais pas. Est-ce que je pourrais changer le firmware de l'un sur l'autre Je vais pas m'amuser à le faire, je veux pas perdre la garantie sur mon euh, uh, Jim Bay, ni non plus sur mon Westcott, ok Je ne pas m'amuser à ça. Mais, parce que s'il y avait un problème, bah, ils diront, oh, bah, c'est quoi ce firmware que tu as installé Donc il y aura un problème. Voilà. Donc la question est... Euh, que même s'ils si ont l'air complètement pareils, ils peuvent quand même être différents à l'intérieur. Ah ouais, mais comment les composants vont être différents si toi, sur les essais avec le fj 400 tu as les mêmes résultats euh, ben, Ça dépend. Parce qu'en électronique, comme en fruits et tout ça, il y a des calibrations. On peut dire ce condensateur, il est garanti pour 100 000 recharges, 100 000 éclairs par exemple. Tu vois et celui-là, pour 50 000. Donc il y a une différence de coût. Alors moi je ne peux pas prouver que le composant qui a dans ce flash va durer moins longtemps que dans l'autre et que dans l'autre va durer plus longtemps que dans celui-là parce que peut-être c'est pas du tout le cas, peut-être c'est exactement les mêmes ou peut-être qu'ils sont différents. Donc je n'ai aucune idée, je peux absolument pas certifier que ces flashs, même s'ils ont l'air Complètement pareil, même si mon FJ400 et mon HD400, euh, des deux marques, c'est sont exactement pareils, de la même puissance. De toute façon, je ferai une vidéo dessus. Je ne peux pas garantir qu'ils sont exactement pareils à l'intérieur, parce que peut-être que les composants n'ont pas les mêmes critères de euh, durabilité ou garantie de durabilité. Donc, je ne sais pas. Donc, quelle marque devrais-tu acheter bah, Je dirais simplement, ça dépend de quel côté de l'Atlantique tu te trouves. Voilà. Mais bon, je pense que si je parle de ce flash, c'est un petit flash qui est complètement recommandable. Euh, sincèrement, euh, si tu n'as pas trop d'argent, je préfère avoir un flash moins cher, même s'il n'y a pas le super écran, que euh, d'avoir mettre 100 euros de plus pour un truc qui n'est pas forcément euh, beaucoup mieux au niveau de la lumière, alors, ça va être pareil. Donc euh, euh, c'est une question de commodité, de goût. C'est vrai, c'est plus beau ça, je suis d'accord. Si on parle des déclencheurs, alors les déclencheurs, euh, Westcott a que ce genre de modèle, Jinbei a ce genre de modèle et celui-là. Avantage de celui-là, tu peux mettre un autre flash sur la griffe. Donc, euh, tu as le déclencheur qui est sur ton appareil, tu mets un flash dessus. Ou quelquefois, tu ne veux pas mettre un deuxième flash, mais un autre déclencheur d'une un, autre marque. Ça m'est arrivé de mélanger des Yongwo avec des Godox, par exemple. Eh bien, moi, sur mon déclencheur euh, Godox que j'ai comme ça, le X2T, je mets un déclencheur Yongwo et ça me permet de faire marcher tous mes flashs. Voilà. Donc, c'est une question de goût celui-là est quand même beaucoup plus pratique à utiliser avec son écran que celui-là qui a un petit écran, mais je ne trouve pas aussi pratique avec la, une seule molette et tout. Voilà, je préfère celui-là. Mais euh, je suis content d'avoir les deux parce que dans certaines situations, j'aimerais avoir euh, un autre flash ou un autre déclencheur dessus. Donc voilà. Donc sincèrement, c'est un produit qui me semble complètement recommandable que tu prennes du Jinbei ou que tu prennes euh, son cousin, son frère, comme on veut l'appeler, chez Westcott. Il n'y a aucun problème. Donc ce flash... Ben, je trouve qu'il est bienvenu. Euh, C'est vrai, ben, la, la lampe de modelage n'est pas au même endroit et tout, mais enfin bon, voilà, ça dépend de ce que tu fais. Mais voilà, je pense que si tu es intéressé par ça, il me semble complètement recommandable. Eh bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo, mais je vais dire merci à mon sponsor, Arvia, école de Photographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire qui vont te permettre de te former. En montant les exercices sur leur plateforme et euh, les professeurs qui sont diplômés en photographie vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps avec ton prof, une réunion virtuelle, qui veut dire ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourager, te corriger, euh, te motiver et tout ça. Alors, ils ont six types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu as passé 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de la formation choisie, ça dépend de l'avancement du cours et tout ça. Mais je pense que le mieux, c'est que tu parles avec eux. Téléphone-leur, l'appel est gratuit, tu, les expliques, tu leur expliques pourquoi tu voudrais te former, qu'est-ce que tu aimerais apprendre et tout ça, et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Au Passage ils parleront des tarifs, mais je peux déjà te dire comment ça marche au niveau des financements. Alors ben, ça dépend, hein. il y a une technique euh, toute simple, un mot très élégant qui s'appelle l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, voilà, c'est simple, c'est comme ça. Deuxième option, eh peut-être que tu veux tu es demandeur d'emploi et tu voudrais être cofinancé ou financé par euh, Pôle emploi, qui s'appelle maintenant France Travail. Parle avec ton conseiller, explique-lui ta reconversion, explique-leur que cette formation t'intéresse et ils te diront ce qu'il faut faire pour pouvoir financer à 100% ou cofinancer en partie, peu importe, tu vois ça avec lui. Autre option, c'est le célèbre CPF compte personnel de formation. Chaque année, travailler, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit de la photo, que ce soit n'importe quelle autre activité, il y a plein d'activités finançables par CPF. Alors, il y a certaines conditions assez strictes. Par exemple, si tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas qu'on ne peut plus s'inscrire par CPF, par autofinancement, oui, mais par CPF, on ne peut plus s'inscrire une fois à la retraite. Donc, il faut s'inscrire avant de partir, même si tu fais la formation une fois à la retraite. Autre point important, la loi sur le CPF a changé. Elle n'est pas encore appliquée. Ça fait très longtemps qu'elle a changé. Ça fait plus d'un an qu'elle a changé. Mais enfin, on a, ça a l'air de se... Ouais, les nuages s'en vont et on sait enfin quand ça va s'appliquer et comment. Apparemment, ça va être le 1er mai. 2024, et chaque élève devra payer 100 euros de sa poche, ce qui est une très grande nouvelle parce qu'à l'origine on parlait de 30%, donc c'est pas la même chose que 100, 100 euros. Hein. Donc ça serait une bonne nouvelle, mais de toute façon, inscris-toi au plus vite. Puisque tant que la loi n'est pas appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi maintenant, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Donc, moi, je te conseille d'appeler Arvia. N'oublie pas, si tu t'inscris, euh, dis-leur que tu viens de ma part, car tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos euh, en appui pédagogique. Et euh, ben, euh, explique-leur ce que tu veux, contacte-les. Je te laisse leur email, leur site web, le téléphone qui est gratuit, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Euh, merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque Code Créateur, si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main, si tu un code promo il y a une case à côté qui dit code promo c'est complètement compatible, d'ailleurs je partage régulièrement leur code promo sur mes réseaux sociaux, je te laisse aussi des liens de. avant donc je te remercie évidemment parce que ça m'aide énormément, je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Sandmark et Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt Ciao